Ce n'est pas difficile de régler les problèmes avec le dialogue, avec la négociation, avec les blablabla, en se mettant autour de table et négocier. Tout est possible. On peut tout négocier, sauf si nous avons en face de nous des gens fanatiques, nerveux et malades. Seulement, si c'est le cas, on ne peut pas le régler, bien sûr. Allô, bonsoir, c'est qui? Et ne quittez pas, on vous prend tout de suite, voilà, vous êtes en ligne. Et voilà, on va vous prendre tout de suite. Bonsoir, et comment allez-vous? On vous écoute. Oui, bonsoir. Je voulais vous dire que l'émission, la dernière émission avec le petit-fils du chat, c'était très intéressant. Et je n'ai pas réussi à prendre son mail. Est-ce que vous ne pouvez pas me l'indiquer de nouveau? Bien sûr, je vais vous le communiquer sur l'antenne, même pour les autres. Si vous voulez, Patrick Pahlavi, attaché. Alors, ça s'écrit AH, un instant. Je prends un papier, j'aurais dû le préparer tout à l'heure. Alors, AH, Non, c'est c'est ça? Patrick, comme Oui, Patrick, Patrick, ça je le sais puisqu'on sait comment ça s'écrit. avec Mais le nom de famille. Pahlavi, P comme Patrice. Oui. A comme Alan, Oui. H comme Hélène, Oui. L comme Lily, Elle comme comme Lilian, comme Lille. l'abbé de Lille. Elle Voilà. comme la ville de Lille. Voilà. Et A comme Alan encore, Oui. V comme Victor, Oui. I comme Italie. Et c'est tout. C'est tout après Parce que... arrobase, Oui. gmail.com. Oui, ça c'est connu. Alors, je voulais vous féliciter parce que vraiment c'est une ouverture, mais seulement je crains pour lui, parce que comme il a dit qu'il était interdit en France, je crains que vous ayez des répercussions, vous ou lui, du fait qu'il a parlé malgré cela. Non, déjà, je veux vous dire que ce problème s'est déjà réglé. Parce que ça, c'est une rediffusion. Ce problème, c'est déjà réglé, mais toujours, puisqu'il est franc, il parle franc, il a des ennemis dans sa famille. Hein, il a des ennemis dans sa famille. Mais il habite actuellement en Suisse, il n'est pas en France. Il n'est pas en France. Il avait des problèmes à l'époque, même à l'époque de son oncle, le Shah d'Iran, il avait des problèmes, etc. Même maintenant, ça va. De toute façon, il est censuré de temps en temps. Il est censuré, on ne laisse pas s'exprimer. Mais avec la France, ses problèmes, c'est fini. Voilà. Ah, c'est bien. Ça me C'était là. tranquillise parce que j'avais peur pour lui. Non, la France n'a pas de problème avec lui actuellement, ni lui n'a pas de problème avec la France. Vous savez, pendant certains temps, quand il y a certains agents de services de renseignement ou des directeurs, etc., ils posent des problèmes. Mais imaginez-vous que quand Nicolas Sarkozy n'était plus président, même patron de services de renseignement, on l'avait arrêté. Vous voyez, quand on fait des bêtises, ici en France, nous sommes en démocratie, heureusement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, si Patrick Pahlavi, le prince, il était victime de certaines choses, actuellement c'est fini, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, très bien. Merci, vous m'avez tranquillisé. Alors, je répète le nom parce que moi, je lui ai envoyé un mail et il m'est retourné, il m'est revenu. Alors, P-A-H-L-A. Non, il n'y a pas de H. Ah, oh, Pahlavi, oui, pardon, pardon, vous parlez de son nom. P-A-H-L-A-V-I. Exact, madame, exact. Ok, après, c'est facile, gmail.com. Mais Ok, merci Patrick, beaucoup. n'oubliez pas qu'au départ, vous avez Patrick Pahlavi. Vous Ah devez oui, ça, Patrick oui, Pahlavi. mais ça c'est connu comment on écrit Patrick. Je n'ai pas D'accord. besoin qu'on m'appelle pour ça. D'accord. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée à vous Moi, aussi. je vous remercie de l'avoir fait passer. Au revoir, bonne Merci. soirée. Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir. Voilà, vous êtes sur 95.2 FM, Radio ici maintenant. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès. L'interview avec Prince Patrick Pahlavi, c'est un savant, c'est un philosophe. Prince Patrick Pahlavi, c'est un philosophe, c'est un ami. Je suis fier d'avoir Patrick Pahlavi comme patriote. Parce que c'est un philosophe. Comme vous avez pu constater, il a une large information et connaissance, surtout, sur énormément de choses. Et c'est un être humain, c'est un humaniste, rationnel, laïque, en même temps, concernant la spiritualité. Il a des idées qui est tout à fait nouveau, mes chers amis. Et voilà. Alors, vous écoutez votre radio ici maintenant, 95 FM, vous avez la parole encore. Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, les hommes attendent un jour meilleur. Et le spectacle continue, venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel. Nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM, radio ici et maintenant, fondée par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où. À la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAB+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se joue des apparences, pour envoyer ses messagers. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois, chacun son tour conduit la danse. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Envoyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, Robin des Bois, chacun son tour conduit la danse.